Dans l'optique de mettre à l'abri les océans africains et l'océan Indien occidental de la pollution et bénéficier du potentiel de l'économie bleue tout en contrant les effets du changement climatique en Afrique, une déclaration a été adoptée le 14 juin 2023, jour de clôture de la conférence ministérielle sur l'économie bleue et l'action climatique en Afrique. Intitulée Déclaration de Moroni, cette déclaration englobe les spécialités des États insulaires africains, le soutien à l'initiative de la Grande Muraille Bleue pour une économie bleue durable et régénératrice et la stratégie de la promotion d'un nouveau partenariat dans l'économie bleue. Là, comme vous le savez, nous entrons dans la deuxième décennie de l'agenda 2063 de l'Union africaine et on s'est rendu compte que cet aspect de l'économie bleue, surtout des États insulaires africains, était plus ou moins négligé. Et on compte mettre en exergue cet agenda durant ces deuxième décennale et appuyer la visibilité des pays insulaires. L'économie bleue, ça représente quand même une composante majeure pour la Grande Muraille bleue. Il est question aujourd'hui de préserver cette mer, de préserver sa biodiversité et de restaurer nos écosystèmes et aussi, bien sûr, en tirer un profit. D'après l'Institut d'études de la sécurité, les moyens de transport maritime de marchandises sont responsables à 15% des émissions mondiales de soufre et d'oxyde d'azote qui détruisent les récifs coralliens et la couche d'ozone et aggravent les effets dévastateurs du changement climatique. Avec cette nouvelle déclaration, les pays africains pourront développer l'économie bleue grâce à la stratégie de la Grande Muraille bleue, selon des experts. Les ressources et les écosystèmes océaniques sont partagés par plusieurs pays d'une même région, d'où l'importance pour ces pays de coordonner leurs efforts. La gestion équitable et durable de ces ressources ne peut être réalisée que par une approche régionale concertée, aucun État membre ne pouvant adresser ces défis et ces problématiques seul. La Grande Muraille Bleue, initiative du continent, a été mise en œuvre par l'Afrique pour l'Afrique avec la collaboration des partenaires internationaux et d'autres États insulaires et côtiers. Cette stratégie vise à restaurer la santé des océans, à préserver la biodiversité marine et à encourager les pratiques économiques durables. Nous reconnaissons que les États insulaires africains sont particulièrement vulnérables et déjà lourdement touchés par ces crises interconnectées et qu'ils ont donc besoin d'une attention et d'une réponse spécifique et ciblée pour soutenir leurs efforts en vue de répondre aux défis et aux opportunités actuelles et futures. La Grande Muraille Bleue a d'ailleurs été présentée dans la déclaration de Moroni comme une approche phare, transformatrice et collective, encourageant la résilience face au changement climatique. Rappelons que la conférence ministérielle sur l'économie bleue et l'action climatique en Afrique qui s'est tenue aux Comores a été organisée par le gouvernement de l'Union des Comores en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, la Commission économique pour l'Afrique, le Programme des Nations unies pour le développement et l'Union internationale pour la conservation de la nature.